Ouais, bah, merci à Catherine et à Lucie de m'avoir confié à vos travaux. Je suis historien à l'Université Lyon 2 et je travaille depuis plus d'une dizaine d'années sur les questions d'hygiène, de santé, de pollution en milieu urbain de la fin du 19e siècle à celle du 20e siècle. Je travaille actuellement d'ailleurs sur l'histoire de la gestion de la pollution de l'air au cours du 20e siècle. Et je suis également impliqué dans un laboratoire d'excellence, Intelligence des mondes urbains, qui rassemble justement les sciences de l'environnement, de l'ingénierie, les praticiens de l'urbanisme, des collectivités territoriales, des sociétés de services urbains, et les chercheurs de sciences humaines et sociales dont je fais partie. Et j'habite également en ville urbaine, une ville qui participe à la densification urbaine dont les politiques publiques nous parlent actuellement. Alors, j'ai beaucoup apprécié la note et j'ai également travaillé au-delà, puisque j'ai lu votre dernier ouvrage, j'ai lu le rapport, également une partie du rapport à la ministre d'Égalité des Territoires de 2013. Et à votre plan, en deux grandes parties, santé, environnement, et puis les questions empiriques, et puis les recommandations, moi je répondrai par trois grandes séries de remarques pour lancer la discussion. Donc des commentaires et réflexions qui s'articuleront d'abord autour des enseignements partiels de l'histoire, ensuite autour de la question des institutions et des territoires, et enfin ce que je pourrais appeler pour une nouvelle hygiène environnementale, même si ça peut faire un peu ringard le terme d'hygiène, justement rappeler l'importance du facteur de la prévention, qui à mon sens a été quand même un grand facteur de progrès au moment de création de l'État-providence. Donc, premier temps, l'histoire. Alors, effectivement, si le débat public sur la relation santé-environnement en France est très récent et a laissé de côté largement la question des inégalités, il me semble que le cadrage a pu prendre d'autres concepts à travers l'histoire dont nous pouvons tirer quelques enseignements. Alors, il faut d'ailleurs tenir compte du temps de latence, ou on peut l'appeler de manière plus positive, de maturation, de certains problèmes. La pollution atmosphérique, ça ne date pas des années 1990, ni même des années 1980, mais dans les archives, on trouve des alertes données par les épidémiologistes anglo-saxons dans les années 1950 sur le caractère potentiellement cancérigène de la pollution automobile. Donc je rappellerai les nombreuses batailles qu'ont menées les hygiénistes à la Belle Époque, et même avant, à travers un texte. Alors, vous avez beaucoup parlé de la question des pollutions industrielles dans votre ouvrage, et moi j'amènerai ici la question du logement insalubre. Le logement insalubre a été un débat public dès la Deuxième République, et d'ailleurs dans la partie la plus conservatrice de la Deuxième République, en 1850. C'est un moment où finalement la question de l'habitat des pauvres a largement intéressé les responsables publics ainsi que les médecins, avec une approche un peu pas purement humanitaire, mais un peu intéressée, puisque l'idée c'était que dans le paradigme médical à l'époque, la contamination en ville des riches par les pauvres pouvait être possible et qu'il fallait donc améliorer le caractère de l'habitat populaire. En tout cas, cette loi permettait, dès 1850, d'évaluer la qualité des logements dégradés dans les centres anciens, de prescrire des travaux. Elle a été appliquée essentiellement d'ailleurs à Paris, à cause des conditions politiques particulières, suppression du conseil municipal, tandis que dans beaucoup d'autres villes, le fait que le conseil municipal représente les intérêts des propriétaires a fait un peu oublier la dimension sociale et sanitaire de la question. Je passerai rapidement, puisque j'ai 10 minutes, mais je voudrais également signaler le fait que les inégalités environnementales d'exposition ne sont pas simplement liées donc, à des industries insalubres qui sont régulées avec plus ou moins de complaisance par les pouvoirs publics depuis maintenant deux siècles, mais qu'elles sont aussi largement liées à des productions tolérées par les pouvoirs publics. Alors, on évoque souvent l'excessive dieselisation du parc français qui s'est accru depuis 25 ans. Mais ce que l'histoire nous montre également, c'est que les industriels de tous ordres ont généralement cherché à prendre en charge la lutte contre la pollution de l'air, par exemple,
pour se dédouaner en rejetant la responsabilité de la pollution sur les ménages et sur le cas du chauffage domestique qu'il fallait réguler beaucoup plus que les cheminées de centrales thermiques dans les années 60-70. Donc il y a une question, à mon avis, à creuser peut-être plus, c'est, outre les institutions publiques à créer, c'est la façon dont on peut réguler aussi la fabrication de notre environnement, qui est toujours largement prise en charge par le privé, qui fabrique et met sur le marché beaucoup de nouveaux matériaux ou de nouvelles substances chimiques. D'ailleurs, en parlant de pollution de l'air et de catastrophe, la grande catastrophe qui est souvent citée dans les études historiques, c'est le smog mortel de Londres en 1952, qui a fait lui aussi beaucoup de milliers de morts, entre 4000 et 10000 selon les études. Les travaux d'historiens ont montré que ce n'est pas la législation, le Clean Air Act de 1956, qui a mis fin aux fumées des villes anglaises, mais c'est bien l'arrivée du gaz naturel et la propagande menée pour ce nouveau combustible, pour faire abandonner le charbon. Alors, deuxième gamme de remarques, la question des institutions et des territoires. Le chercheur en sciences humaines et sociales que je suis ne peut qu'approuver la création d'un centre d'analyse et de prévention des inégalités environnementale, même si, à mon avis, il faut nuancer également la capacité des SHS à faire passer des optiques de changement de comportement, parce que c'est souvent ce que les ingénieurs des collectivités locales nous demandent. Dites-nous comment faire accepter la densité, dites-nous comment faire accepter tel ou tel programme d'économie énergétique. Alors, on n'est pas là forcément pour faire de l'ingénierie sociale, de la psychologie sociale. Il me semble que... Donc ma première réaction à la lecture des notes, c'était de me dire « Ah, encore une institution étatique. En France, il faudrait toujours passer par l'État. » Mais, vous le dites très bien immédiatement, l'articulation avec les collectivités territoriales doit être une priorité de cette institution, même si les contours, il me semble, restent à être dessinés. Hein. Et finalement, on se demande la façon dont on peut, dans un régime largement décentralisé désormais, arriver à faire répartir une sorte de péréquation en fonction des territoires. On connaît bien la réaction dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est un territoire victime de beaucoup de fardeaux environnementaux, d'injustice, d'inégalité environnementale, si on le formule comme ça. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus, à côté des zones industrialo-urbaines héritées du 19e siècle, le monde rural, l'agriculture, le rôle des pesticides. Le rural a sans doute été victime depuis 40 ou 50 ans d'une épidémie silencieuse de maladies professionnelles chez les agriculteurs, chez les résidents. L'exposition aux perturbateurs endocriniens n'est pas homogène selon le milieu professionnel. Dans l'industrie, dans l'agriculture également, il y a beaucoup de questions qui surgissent. Et l'articulation donc, territoriale, ici, est assez complexe. De plus, cette question territoriale se heurte aussi donc, au cadre de vie, qui, lui, est plus difficile à mesurer en termes d'exposition, puisque nous bougeons dans notre parcours quotidien. Et finalement, l'exposition, que ce soit aux perturbateurs endocriniens ou à la pollution de l'air intérieur, qui n'est pas la même que la pollution de l'air extérieur, est un double problème. Il y avait un article dans Le Monde vendredi dernier qui coûte peut-être 4 milliards d'euros par an au système de santé français pour ce qui est des perturbateurs endocriniens. Donc qui est vraiment l'enjeu d'action publique majeure. En ce qui concerne les recommandations qu'un tel institut pourrait faire sur les collectivités territoriales, alors il me semble donc que la densité, par exemple, qui est largement invoquée par les urbanistes comme permettant d'optimiser tout un tas de services à la fois urbains et écologiques, n'est une solution que si elle est combinée avec un travail à la fois donc, sur les aménités environnementales, sur l'accès au logement
l'accès au logement confortable, hein, avec des réductions de nuisances sonores, par exemple, puisque le bruit émerge aussi comme grande problématique territoriale. Mais dans cette optique de gestion territoriale de l'urbanisme, il faut essayer d'éviter deux risques de renforcement des inégalités, qui seraient donc une sorte d'effet négatif, vicieux, des efforts écologiques, hein, notamment sur l'immobilier. La classe énergétique, les programmes basse consommation renforcent la valeur des biens sobres et le risque serait qu'ils soient inaccessibles aux plus modestes et que les petits propriétaires donc, restent dans des passoires énergétiques. Alors, de façon un peu intuitive, j'ai regardé ça à Lyon. Souvent, pour avoir un T4 neuf à moins de 230 000 euros à Lyon, il faut aller au-delà du périphérique ou dans d'anciens quartiers stigmatisés. Donc ça engendre un exode des collègues et de mes connaissances dans cette fameuse deuxième couronne pays urbaine. Et ces collègues prennent leur voiture et donc vont polluer sur le périphérique les logements sociaux qui sont en bordure de périphérique. Et de façon plus générale, à mon avis, il faut également éviter que toute cette ingénierie écologique, ces technologies vertes, ne renforcent les inégalités sociales écologiques. Lorsqu'on nous présente les applications smartphones pour les voitures électriques, etc., je pense toujours que tout le monde ne sera jamais capable d'utiliser ce genre de technologie. Donc on risque de renforcer également des inégalités sociales. Alors, dernier temps, la question du facteur prévention dans les politiques à mettre en œuvre. Je voudrais pointer la nécessité de cette prévention également, comme ma voisine l'a dit en introduction, des associations qui travaillent. J'anime moi-même un groupe d'un autre think tank, la Fabrique écologique, sur la question de la santé environnementale, et on voit bien qu'un certain nombre d'associations qui travaillent dans la santé communautaire n'attendent pas finalement tant que ça de l'État en France. Il y a beaucoup d'États déjà. Et elles travaillent beaucoup plus sur l'horizontale. Et la prévention me semble être une façon de procéder pour cette horizontalité qui peut être utile et peut-être plus que l'hygiénisme vertical descendant de la Troisième République. Alors, dans le domaine de la santé, la prévention est peut-être trop largement identifiée à la lutte anti-tabac, voire à celle contre la malbouffe, donc aux facteurs comportementaux, ce qui est peut-être plus facile à médiatiser également que la lutte contre les facteurs environnementaux. Or, la prévention serait un bon moyen de lutter contre les inégalités sanitaires et sociales, avec ces inégalités qui, de manière flagrante, quand on se promène dans le métro d'Atlanta aux États-Unis, nous montrent bien les rapports entre pauvreté et pathologies liées à la nutrition. Et cette prévention devrait être mise également sur d'autres phénomènes qui préparent l'avenir, hein, la question des perturbateurs endocriniens, de la fertilité masculine, par exemple, qui me semble être un sujet encore vraiment tabou en France, alors que là aussi... On a discuté avec des professeurs de médecine, il y a des choses quand même assez graves que les études montrent. Et la prévention, donc, serait importante pour tous les facteurs qui ne cadrent pas avec les études d'exposition aux risques environnementaux, ces études qui sont faciles à cartographier, que pourrait faire l'Institut préconisé par la note. Et donc, en essayant d'aller plus loin dans tous les facteurs de l'environnement qui sont difficilement cartographiables en descendant à l'échelle individuelle. Encore une fois, ce développement d'une prévention permettrait peut-être également de réduire la tendance des inégalités environnementales à être liées donc, à la capacité de savoir, de se mobiliser au comportement qui donc n'est pas le même en fonction des classes sociales, du territoire. Je finirai finalement en évoquant le fait que la lutte publique pour réduire les inégalités environnementales pourrait peut-être en profiter donc, pour travailler plus généralement sur la santé environnementale qui
a largement été masqué en France par la biomédecine, la croyance dans le médicament, alors que mes propres rencontres de médecins hygiénistes, ce matin j'étais avec un ancien directeur du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris, qui m'expliquait comment dans les années 1970, on faisait plein d'études, mais toutes ces études sont restées dans les cartons. Alors c'est l'occasion maintenant de faire largement émerger cet adage qui pourtant est assez ancien, hein, « mieux vaut prévenir que guérir ». Et donc ça c'est valable, là, ça. Non seulement pour la santé infantile, pour le climat et la vulnérabilité sociale par rapport aux canicules, et à mon avis par rapport à nos comportements de tous les jours, mais qui sont encore une fois trop souvent façonnés par les industriels, la fabrication qui échappe un petit peu à cette territorialité des inégalités.